Vous avez rencontré une femme qui réclame le droit de mourir dans la dignité. Oui, Catherine Icardi-Lazareff a 67 ans. Il y a un an, elle consulte un médecin pour des douleurs musculaires chroniques. Le diagnostic tombe, elle est atteinte de la maladie de Charcot, une maladie qui entraîne une paralysie progressive de tous les muscles volontaires. Une paralysie inéluctable et inconcevable pour une femme qui, jusqu'il y a encore quelques mois, était une grande sportive. J'étais très sportive, je nageais 2 km par jour, j'étais une... Voilà, je fais tous les sports, équitation, tennis, et là, du jour au lendemain, plus rien. C'est cette soudaineté de la maladie qui fait qu'on trouve cela très injuste. Dans la foulée, Catherine Icardi-Lazareff décide de réunir ses 3 enfants. Elle leur fait part de son souhait d'être euthanasiée. Il faudrait me garder le plus longtemps possible, bien sûr, mais c'est un acte d'amour de leur part et un acte d'amour de ma part. Je veux laisser la meilleure image possible d'une maman combattante, d'une maman qui fait les choses jusqu'au bout. Et le poids, oui, nous le vivons au quotidien, mais nous essayons de l'alléger. Nous rions beaucoup, nous plaisantons beaucoup. Et voilà, c'est comme ça que petit à petit, on arrivera vers la fin, mais dignement. Catherine Icardi-Lazareff connaît déjà le jour où elle dira stop. Le moment où je ne pourrai plus parler. Voilà, la parole pour moi c'est important, vous le constatez. Et le moment où je ne pourrai plus parler, où ça me... là je dirai stop. Ça n'est pas possible de ne plus passer les messages et de ne plus rire avec ma famille et manger aussi avec ma famille, parce qu'au moment où je ne pourrai plus parler, je ne pourrai plus manger non plus naturellement. Depuis quelques mois, cette femme très courageuse et déterminée a pris toutes ses dispositions pour organiser la fin de sa vie. Je connaissais l'issue fatale. Je me suis renseignée en Belgique. Je m'y suis moi-même rendue avec ma meilleure amie d'enfance et j'ai été me renseigner sur le processus. J'ai eu une écoute humaine absolument incroyable parce qu'on écoute le patient là. Le docteur m'a bien expliqué. Il a dit ça ne se fait pas comme ça. C'est encadré, c'est pas bonjour monsieur, au revoir monsieur. Mais je souhaite évidemment mourir en France. Si je pouvais moi mourir ici, ce serait la meilleure des choses. En prenant la parole, elle veut faire connaître la maladie de Charcot et surtout faire avancer la cause de l'euthanasie en France. Ce matin, elle était très émue en découvrant les paroles, les mots d'Emmanuel Macron qui ouvre la porte à l'euthanasie, même si elle souhaite une loi plutôt qu'un débat. Olivier Véran, Catherine Icardi-Lazareff a un message pour vous. Monsieur Olivier Véran est un neurologue, donc je pense qu'il connaît parfaitement la maladie de Charcot. Je suis sûre qu'il comprend ce que je dis. Porte-parole du gouvernement, c'est justement faire passer un message de tous les Français. Et je crois que 96% des Français sont pour cette loi et j'attends beaucoup du gouvernement. Olivier Véran, ce message de Catherine Icardi-Lazareff, qu'est-ce que cela vous inspire ? La maladie de Charcot est une maladie redoutable, dans la plupart des cas, qui paralyse effectivement, vous l'avez dit, les gens qui en souffrent. Et j'ai été confronté dans ma carrière de neurologue à des situations très difficiles humainement, où des personnes qui vous parlent, comme elles nous parlent, et qui savent qu'ils vont se paralyser, qu'ils ne pourront plus avaler par eux-mêmes, qu'il leur faudrait des tuyaux pour avaler, souhaitent partir et montrer un visage plus apaisé à leurs enfants que le visage de quelqu'un qui est dans un lit d'hôpital en soins palliatifs. À l'inverse, j'ai connu d'autres patients atteints de cette maladie qui souhaitaient aller au bout de la démarche thérapeutique et jusqu'au bout. Dans un cas de figure, on a une solution à proposer, c'est les soins palliatifs, c'est le deuxième cas. Dans le premier cas de figure, qui est le cas de cette dame, aujourd'hui la loi ne permet pas à cette dame de respecter cette volonté qu'elle exprime et qu'elle exprime en conscience, avec clarté. C'est l'un des grands enjeux. Ce n'est pas le seul. C'est l'un des grands enjeux de la Convention citoyenne qui vient d'être annoncée par le président de la République, qui doit permettre à ce débat, je le dis, beaucoup plus compliqué dans les faits et quand on rentre véritablement dans les faits de ce qu'il y a autour de cette fin de vie et de mourir dans la dignité, qui pourrait y paraître de prime abord. Mais la loi doit très probablement évoluer
vers le modèle belge. Il y a les deux enjeux. Il y a l'enjeu de l'euthanasie active, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes en fin de vie d'une maladie incurable, on vous coupe l'alimentation, l'hydratation, jusqu'à ce que mort s'en suive. Certains certains privilégieraient une injection d'un produit létal qui permette à la personne de mourir immédiatement. Et puis, il y a la question de l'aide active à mourir pour ces personnes qui sont atteintes de maladies incurables et qui souhaitent choisir les conditions et le moment de leur mort.